Boa tarde a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui hoje. E como nós estamos com uma situação particular de ter uma tradução simultânea, eu vou em seguida explicar como é que vai funcionar a tradução simultânea pelo Zoom. Eu me chamo José Carlos Caliche, eu sou o presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Quero dizer para todos que é um grande prazer estar aqui fazendo uma abertura do Simpósio da Infância e Adolescência. E se vocês prestarem atenção, na parte de baixo da tela, o item bem à direita, o ícone bem à direita, é um globo. Esse globo tem dois idiomas, português e francês. Escolham, por favor, português, e se mantenham nesse idioma durante toda a conferência e mesmo nas perguntas. Quem quiser ouvir diretamente a doutora Rosella, pode colocar no francês, mas a questão é que essas idas e voltas muitas vezes fazem com que a pessoa perca o contato com a transmissão. Então, eu sugiro que se mantenham permanentemente no português, a menos que a pessoa queira ficar permanentemente no francês. Aí vai ouvir a doutora Rosella e a Vanise traduzindo. Então, eu sugiro que quem quiser ficar no português, fique no português, e quem quiser ficar no francês, fique no francês, que não troque. A outra coisa que eu vou mencionar agora, mas vou repetir antes da conferência, é como é que nós vamos funcionar com as perguntas, porque nós temos muitos inscritos e provavelmente vão ser muitas perguntas, nós não vamos ter tempo para poder organizar isso de uma forma a que todos possam fazer as perguntas. Então, ali, se vocês virem na mesma barra de baixo, tem um ícone que é participantes. Se vocês apertarem no item participantes, o item bem à direita do participantes é uma levantar a mão, raise hand, azul, Esse levantar a mão azul é para pedir para fazer perguntas, Isso tem a hora, aparece na ordem que a pessoa se inscreveu para fazer pergunta, E nós vamos chamar dois a dois para fazerem as perguntas, para ser mais rápida a mudança, a troca de um pelo outro na tela. Quem fizer a pergunta vai aparecer na tela, e assim que fizer a pergunta vai sair da tela. Pelo número de participantes, eu vou pedir que as perguntas sejam condensadas a 2 minutos, e eu vou pedir, por favor, que mantenham esse tempo, para dar possibilidade que outras pessoas participem, Então, as perguntas vão ter que ser objetivas, e feitas em português, A Vanice vai estar traduzindo permanentemente, E a gente, como eu disse antes, a gente pode ouvir a Vanice falar em português conosco ou em francês com a Rosella, se a gente mudar o ícone para português bem à direita, tá? Eu quero apresentar, então, as minhas colegas de mesa, a doutora Nara Caron, que é bastante conhecida, ela é médica, ela é psicanalista didata da Sociedade de Porto Alegre, e ela é diretora do Departamento de Infância e Adolescência da Sociedade de Porto Alegre, e ela tem trabalhado como coordenadora de grupo de observação de bebês por muitos anos, tem é uma pessoa com muita experiência, muito conhecida nessa área, e publicou artigos e livros nesta área. A psicanalista Rosella Sandri, vou ter que ler aqui, ela é doutora em psicologia e psicanalista infantil de adultos em Bruxelas, na Bélgica. Na sua trajetória profissional, o treinamento que ela fez em observação de bebês, segundo o método Sterbik, foi de fundamental importância. Ela tem ensinado esse método de treinamento por vários anos na Bélgica, na França, na Itália e desde 2008 no Senegal. Do ponto de vista da formação psicanalítica,
ela pode se beneficiar de várias supervisões, sendo a mais significativa para ela a do Donald Meltzer, durante os seminários do GERPEN, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Psicanalíticos para o Desenvolvimento Infantil do Bebê, em Paris. Ela publicou vários artigos sobre observação de bebês e 4 livros, incluindo O Bebê e Seu Berço Cultural, A Observação do Bebê, segundo Sterbik, em diferentes contextos culturais, a partir do trabalho dela com psicanalistas africanos. E um outro livro que se chama Pensando com Bebês, que foi também traduzido para o italiano e que tem uma possibilidade que ele seja traduzido para o português da coleção da sociedade, tá? Da nossa sociedade. Ela é a presidente, a doutora Rosel, ela é presidente da AIDOB, que é a Associação Internacional para o Desenvolvimento e Observação de Bebês, de acordo com o Sterbik. É um grande prazer ter a doutora Rosel aqui conosco, né? E eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês, né? Nesse momento tão complicado da vida humana, né? Onde nós estamos tendo que nos adaptar a tantas coisas, como ter uma reunião como essa sobre bebês num momento de pandemia e tristeza, né? Que dá uma ideia de que, pelo número de pessoas inscritas, que bebês trazem esperança, né? Isso faz com que a gente tenha muita vontade de observar bebês. Eu vou passar a palavra para a Nara, para que ela também faça uma introdução do simpósio de infância e adolescência. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação encontrá-los aqui na sala virtual do nosso simpósio. Há 5 meses atrás, devido à surpreendente invasão do coronavírus, que nos encurralou em uma situação traumática coletiva, desestruturante, e ameaçados pelo nosso desamparo, vulnerabilidade e ameaça de morte, o nosso simpósio, nosso 22º simpósio, que estava totalmente organizado e divulgado, foi suspenso, não é? Sem perspectiva de retomada. Esse contexto de perdas de toda a ordem, isolamento social, incertezas, nos deixou inicialmente perplexos, impedidos de realizar nossos sonhos, nosso trabalho e poucas esperanças no futuro. Nos demos um tempo para observar, refletir, tentar compreender, nos adaptar à tecnologia para trocarmos ideias, experiências e compartilhar surpresas e dúvidas com colegas. E contatamos com novos aspectos surpreendentes, criativos, vivos, que nos motivaram, não é? Nos mostraram que a pandemia não é só tragédia, que ela tinha também uma vida pulsante e criatividade. Repensamos, enxugamos o programa do simpósio, que permaneceu rico e interessante, despertando grande curiosidade e interesse. Há dias, as inscrições foram encerradas porque as 1.000 vagas disponíveis estavam esgotadas. Isso é um fato inédito nos eventos da SPPA, né? Certamente existem várias motivações, mas destaco, não é? Entre elas, o que eu acho importante é que o contexto trágico da Covid-19, com tantos medos, angústias, ameaça de morte, de dores sem fim, não é? Mas que também acionou a vida, o desejo eterno de desvendar seus mistérios, segredos, desde o início, assim como suas transformações e desenvolvimento. Para isso, precisamos observar o bebê em seu ambiente natural, junto à sua família e durante um longo tempo. Como dizíamos já, ao vivo e a cores,
enquanto tudo está acontecendo. Mas para termos esse acesso, temos que contar com uma técnica. E a técnica que utilizamos é o método psicanalítico de observação de bebê, criado por Esther Bick. Então, contemplamos no simpósio o objeto de estudo, que é o bebê, e o método que possibilita realizar esta tarefa. Bom, isso eu acho que é um aspecto que tem importância, né? Durante a pandemia, não é com tanta morte, né? A vida começa a ter espaço, a chamar. E o outro aspecto que é de grande importância é a presença da Rosel. Eu acho que a nossa convidada, Rosella Sandri, que tem uma longa trajetória e vem desenvolvendo um trabalho constante nessa área e apresentando suas ideias teóricas e técnicas em simpósios, em congressos, publicação, como o Calixto já disse, em revistas da área e em alguns livros. Rosella é uma analista vivaz, corajosa e inquieta, que integra com muita habilidade o ofício de analista e o método BIC de observação. E, além disso, ela tem um talento excepcional para revelar e trabalhar com o primitivo, o pré-verbal do ser humano. Uma atividade que eu gostaria de destacar, e a Rosella vai trazer, eu sei, especial, que Rosella vem desenvolvendo há mais de 10 anos, é a formação de observadores de bebês no Senegal. A esse respeito, a Rosella comentou, num livro, nesse último livro, que o Caliche não é, já citou, e que talvez ele seja traduzido, não é? Ela comentou é o seguinte, abre aspas, o desejo que me moveu na formação de observadores de bebês no Senegal foi, acima de tudo, um desejo de miscigenação de culturas analíticas, de cores e de pensamentos, cruzamento de olhares para tentar criar aqui e ali novos olhares sobre o bebê. Um pouquinho mais adiante, ela comenta uma história que, como em todo encontro verdadeiro, nos transformamos verdadeira e profundamente. Sei que não sou mais a mesma depois desse encontro, porque outro mundo se abriu para mim, disse a Rosella. Bom, eu desejo a todos os 1.000 participantes uma experiência viva e transformadora, que celebre a vida, e os convido para participar à vontade nas atividades e mesmo à distância, desfrutar de nosso simpósio, que inicia daqui a poucos minutos com a conferência da Rosella e se encerra amanhã à tarde. Eu teria muitas pessoas para agradecer, então eu vou resumir e talvez algumas fiquem de fora, né? Mas eu quero agradecer a participação e auxílio das colegas, não é, da DIA, que é a Diretoria de Infância e Adolescência, né? Da Diretoria da Sociedade, da área da tecnologia, Secretaria de Divulgação também, Secretaria de Divulgação, a tecnologia da pessoa do Grayson, que vai nos acompanhar em todo o simpósio, ele é um anjo da guarda para nós, ele vai estar aí, já esteve, não é? E em especial aos colegas que participam da mesa, que vai ter hoje à tarde, às 5h30, mesa e coordenadores, não é? E amanhã a roda de conversa
que também tem quatro participantes e um coordenador. Bom, e a Rosella é um agradecimento especial, não é? Por estar hoje aqui conosco, à distância, mas muito perto, e que se manteve presente conosco todo esse período, quando o simpósio não podia ser, não é, levado adiante presencialmente. Nós desistimos, depois conversamos, a Rosella continuou conosco e ela é muito especial. Um abraço e muito obrigado por ter se mantido. Aos 1.000 inscritos, não é? Obrigado. Esse simpósio é para vocês. Sem vocês, o evento não existe. Não é? Então hoje podemos festejar, não é? Com tantas pessoas presentes e desejar que aproveitem, curtam todas as apresentações. Era isso. Obrigado, Nara. Eu vou passar a palavra para a doutora Rosella, para ela também participar dessa nossa mesa de abertura. E, Oui, eh bien. por favor. Oui, eh bien, merci, merci beaucoup d'abord à la SPPPA pour cette invitation. Merci beaucoup spécialement à ma chère collègue et amie Nara Caron, que je connais depuis longtemps, avec laquelle j'ai partagé beaucoup de moments. Parce que nous avons déjà une longue histoire de congrès qui se sont tenus dans différentes parties du monde. Et chaque fois, Nara était là, était vraiment une présence très importante pour nous tous et une grande représentante de votre pays. Donc voilà, merci pour la chaleur. Avec laquelle vous avez organisé cet événement. Et je crois que même avec les difficultés que nous avons eues, avec le fait que nous n'avons pas pu vraiment nous rencontrer physiquement, je crois que l'importance des liens a fait que nous avons quand même pu maintenir cette rencontre. Et donc, voilà, la force, ça montre bien la force des liens. Et c'est ce que l'observation des bébés nous montre aussi, la force des liens, d'attachement et d'amour entre les gens. Voilà, donc aujourd'hui, pour cette première conférence, je vais vous parler de l'utilité de l'observation du bébé, selon Esther Wick, dans la formation de l'analyste. Je vais d'abord introduire un peu les fondements de la méthode d'observation du bébé. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais probablement certains ne la connaissent pas encore. Donc, je pense que c'est utile de commencer par une description de cette méthode et de ses fondements. Donc, l'observation du bébé dans sa famille a été inaugurée par Esther Wick en 1948 et a connu un succès croissant pour être pratiquée aujourd'hui sur l'ensemble des continents. Cette méthode d'observation du bébé dans sa famille, ce qu'on appelle infant observation, s'est révélée précieuse pour étudier la communication primitive du bébé, d'une part, et d'autre part, pour aider l'observateur à développer sa réceptivité par rapport à toute communication non verbale et émotionnelle. Donc, en quoi consiste cette formation, cette observation? C'est une observation qui n'utilise pas d'instruments particuliers, comme par exemple un appareil de
prise de vue ou une grille d'observation. Et c'est une observation dans laquelle on s'abstient de prendre des notes au moment de l'observation même. Ce n'est que par la suite que l'observateur transcrit d'une manière la plus détaillée possible tout ce qu'il a pu observer à l'extérieur de lui, mais également son propre vécu au moment de l'observation même. Donc, lorsque l'observateur écrit son observation, il apprend à développer ses capacités d'attention et de mémoire, tout en se laissant aussi surprendre par ses associations qui lui permettent de s'approcher de la signification plus profonde de la communication émotionnelle du bébé. Et on pourrait dire que l'observation du bébé nous confronte au mystère des origines de la vie psychique et à ses premières manifestations, au langage corporel du bébé et à l'impact aussi de l'arrivée d'un bébé dans l'organisation familiale et dans la vie psychique de chacun de ses membres. Donc, plus en détail, la méthode d'observation d'Esther Bick consiste à aller voir, une fois par semaine, comment se développe un bébé dans sa famille. L'observateur dans la famille se montrera amical, sans toutefois avoir une participation active. Il sera plutôt participant émotionnellement. Après l'observation, il prendra des notes les plus détaillées possibles sur ce qu'il a pu voir et ce qu'il a ressenti au cours de l'expérience d'observation. Ensuite, il présentera ses observations au cours du séminaire. Et ici, chaque moment de l'observation sera analysé avec le concours du formateur et du groupe, processus permettant ainsi de déceler des aspects nouveaux grâce aux associations des participants. En effet, le groupe participe à l'élaboration de l'observation et l'enrichit par ses contributions. Il permet ainsi d'approfondir le premier niveau d'observation pour atteindre une compréhension plus profonde du monde psychique du bébé et de ses premières relations au sein de sa famille. Donc, vous voyez déjà que cette observation, cette modalité d'observation est un vrai processus, et un vrai processus qui est constitué par différents moments. D'abord, il y a cet impact émotionnel très fort avec la situation observée, au cours duquel l'observateur se laisse imprégner par la situation d'observation en essayant de ne pas interférer avec le déroulement spontané de la relation parent-bébé. Ensuite, comme deuxième temps, il y a un travail de reconstruction à travers la rédaction écrite. Ici, c'est un temps pendant lequel l'observateur se trouve seul, en quelque sorte, seul face aux souvenirs, aux émotions, aux associations et à tout ce que la situation d'observation a laissé à l'intérieur de lui. C'est le temps pendant lequel il donne une forme à la matière brute, tout comme un sculpteur qui modèle sa matière à partir de l'observation de la réalité. À ce moment-là, donc, élément objectif, mais aussi élément subjectif, sont utilisés pour parvenir à une représentation à travers l'écriture de la situation d'observation telle
que l'observateur l'a vu et l'a vécu. À ce moment-là, les petits détails et les petits signes corporels autour duquel la vie psychique du bébé va s'organiser représentent la vraie richesse de cette méthode, puisqu'ils permettront, lors de la discussion en séminaire ou lors d'une relecture de l'observation, de découvrir des aspects inconnus et parfois surprenants. Nous recommandons toujours aux observateurs de ne pas mettre de côté, par exemple, des détails qui pourraient sembler sans importance. Parfois, des petits détails sans importance sont les plus significatifs. Alors, l'importance des détails, justement, est d'autant plus significative lorsqu'il s'agit d'un bébé. C'est un peu comme dans une mosaïque où chaque petite pièce mise à côté l'une de l'autre contribue à représenter une image globale riche de nuances et de profondeur. C'est pourquoi dans l'observation, le détail sera, comme chaque pièce d'une mosaïque, si important et enrichissant. Un détail bien observé peut permettre de découvrir toute une configuration nouvelle autour de l'événement principal. Donc, par exemple, imaginez-vous la différence qu'il y a entre une description à grandes lignes d'un événement, par exemple dire la maman a pris le bébé dans le bras, ou de dire la maman a regardé le bébé et l'a soulevé doucement, le bébé a émis un petit son et j'ai pensé que... Donc, vous voyez, c'est toute la richesse et la finesse des nuances que le détail va nous permettre de découvrir et qui va donner toute une profondeur à l'observation du bébé. Il y a ensuite, après ce temps de rédaction, il y a le temps du séminaire qui représente un peu le troisième moment. Le séminaire, c'est un peu aussi le lieu mental où les observations peuvent être réfléchies et élaborées à l'aide du formateur et des participants qui contribuent à une autre lecture de l'observation. Dans le séminaire, l'observateur peut commencer à voir, grâce à la multiplicité de visions autour d'un même moment, l'émergence de ce que Esther Bick appelait des patterns, ou comme je préfère les appeler, des noyaux, des tendances qu'on peut voir dans le développement du bébé. Il s'agit en tout cas de moments privilégiés au cours desquels le bébé semble montrer ce qui est en train de naître en lui, de se structurer, de se confirmer, de changer, d'évoluer. Je crois que cela dépend en partie de la réceptivité de l'observateur de pouvoir discerner ces moments privilégiés en les reprenant en lui dans son espace psychique pour les contenir. Peut-être au début, c'est davantage l'une des fonctions du séminaire que d'accomplir ce travail de discernement. Mais ensuite, l'observateur intériorise cette fonction et l'utilisera inconsciemment lorsqu'il sera confronté à la situation clinique. Donc, vous voyez que l'observation, c'est aussi un travail qui se fait dans le groupe, dans le séminaire. Ce n'est pas uniquement le travail de l'observateur et de ce qu'il ressent, mais c'est le psychisme de chacun, de tout le groupe qui va enrichir et qui va souvent apporter aussi de nouvelles dimensions à
cette première vision de l'observateur. Je crois qu'il y a aussi, en effet, un quatrième temps dans cette méthode d'observation d'un bébé, c'est un temps que j'appellerais l'après. C'est l'après-séminaire, l'après-observation, pendant lequel l'observateur laisse mûrir en lui tout ce qui a été d'abord vécu, puis reconstruit dans la rédaction de l'observation, ensuite élaboré dans le séminaire. Dans cet après, il pense moins intentionnellement à l'observation. On pourrait même dire qu'il l'oublie. Mais c'est à ce moment-là que les vrais apports de l'observation peuvent se faire sentir et agir en lui pour réapparaître lorsque la situation clinique les amènera à faire surface. Donc, l'essence de cette méthode ne se limite pas à ce qui se passe au cours de l'observation, mais est constituée par tout un processus qui se déclenche à partir de l'expérience que vit l'observateur. C'est souvent dans l'après-coup, comme je disais, que ce qui a été vécu mûrit en quelque sorte à l'intérieur de l'observateur et peut faire surface lorsqu'il n'y pensera pas intentionnellement. Il pourra s'agir de situations de travail ou parfois de situations aussi plus personnelles, parce que l'observation du bébé nous renvoie souvent à des questions plus personnelles aussi, dans lesquelles alors l'observateur pourra ressentir tous les bénéfices de l'observation et l'impact de cette méthode sur sa façon de penser, d'être en contact avec sa propre réalité psychique et avec celle de ses patients. Alors, si au début, cette méthode a été créée à des fins qui étaient plutôt des fins de formation pour les psychothérapeutes d'enfants et les psychanalystes, on s'est aperçu par la suite que bien d'autres professionnels, de la petite enfance surtout, pouvaient en bénéficier. Et donc, actuellement, son utilisation s'est élargie et cette méthode est utilisée également dans un but de prévention. Cette méthode, donc, je pense qu'elle représente vraiment un moment fondamental de formation pour tous les professionnels de l'enfance et pour tous ceux qui sont confrontés au niveau plus primitif de la pensée. Elle permet également aux professionnels qui ne travaillent pas avec les enfants de renforcer leur capacité de compréhension des niveaux plus archaïques du fonctionnement psychique de tout patient. C'est un aspect que je vais développer dans les chapitres suivants. Vous me suivez donc jusque-là? Oui. Je vais vous parler maintenant d'un aspect qui m'a beaucoup intéressé, et c'est ce que j'ai appelé la couleur des émotions. En effet, je pense qu'une des fascinations de l'observation du bébé vient du désir que nous possédons tous d'assister au mystère, non pas de la création ou de la naissance, mais plutôt de la transformation et du développement. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très fascinant d'assister à ce développement psychique qui naît, qui se développe presque devant nos yeux. Donc, l'observation nous confronte aussi à ce mystère. Comment passer du visible au non-visible? Comment passer du visible observable, du comportement, du geste, du son, au non-visible
de la pensée, du fantasme, du monde psychique interne qui se constitue et se construit chez un bébé. Parce que le but de l'observation, c'est bien ça. Nous n'allons pas seulement regarder un bébé pour découvrir comment il se comporte, comment ses parents sont avec lui, etc. Nous allons observer un bébé pour aller bien au-delà de tout ce que nous pouvons voir et donc pour aller vers quelque chose qui n'est pas visible. Et donc, je crois que aller observer un bébé signifie avant tout se laisser imprégner par une réalité sensible dans laquelle les couleurs, les sons, les atmosphères émotionnelles entrent en relation et en résonance avec les couleurs et les émotions de l'observateur. Et je pense que c'est avec ça que nous allons véritablement apprendre quelque chose sur le développement du bébé. Et en effet, chaque observateur a aussi une manière bien personnelle de regarder et ensuite de transmettre au cours du séminaire son regard pensant, parlant, rêveur. L'observateur apprend à écouter donc avec ses émotions, avec ses fantasmes et aussi avec son corps le vécu profond que le bébé et son entourage lui communiquent. Cette communication se fait le plus souvent sans recours aux mots, bien que des paroles significatives peuvent venir parfois souligner un moment important pour le bébé et ses parents. Mais je pense que la plus grande intensité passe à travers la présence émotionnelle de l'observateur et la capacité qu'il acquiert progressivement de parvenir à une vision binoculaire qui nous fait penser à Bion. Donc, un œil qui regarde ce qui se passe à l'extérieur de lui entre le bébé et son entourage et un œil qui regarde ce qui se passe à l'intérieur de lui en tant qu'observateur. Cette vision binoculaire est la prémisse qui amène à la multiplicité de visions qui se développera au cours du séminaire et qui complexifiera le premier degré de l'observation. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel je donne beaucoup d'importance, cette capacité d'avoir cette vision binoculaire, c'est-à-dire un observateur qui va seulement décrire tout ce qu'il a vu à l'extérieur de lui et qu'il décrit avec beaucoup de détails tout ce qu'il a vu à l'extérieur, mais qui ne pourra pas amener aussi quelque chose de l'impact émotionnel qu'il a ressenti au cours de cette observation, c'est un observateur qui va rester dans une vision qui n'est pas une vision binoculaire. Il va regarder, on pourrait dire, seulement avec un œil, alors que c'est important de regarder avec nos deux yeux, celui interne et celui externe. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui est propre de la situation d'observation, et c'est la fonction de tiers que très vite l'observateur acquiert grâce à ce que j'appelle sa fonction observante. En effet, chaque moment de l'observation permet de créer une petite distance par le regard qui devient, dans cette situation, non pas un simple miroir qui reflète, mais, pourrait-on dire, un miroir qui permet de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu.
C'est pour cela que, suivant cette méthode d'observation, selon Esther Bick, chaque moment est tellement important puisqu'il correspond à un moment du travail d'élaboration psychique. En effet, l'impact émotionnel avec la situation observée, comme on a dit, ne se superpose pas à la rédaction écrite, permettant ainsi à l'observateur de parcourir, en la décrivant, la situation d'observation et à écouter ses émotions qui sont souvent en syntonie avec les émotions du bébé et de sa famille. Donc, imaginez-vous la différence qu'il y a si, par exemple, l'observateur prenait des notes au moment même de l'observation. Il ne pourrait pas, à ce moment-là, avoir cette possibilité de s'arrêter également sur son vécu à lui et de faire tout ce travail de reconstruction psychique. En même temps, ce moment est aussi un moment de découverte pour l'observateur qui peut parfois se surprendre en écrivant à avoir des pensées, des associations qui, tout en ayant un lien avec ce qu'il a vécu au moment de l'observation, peuvent aussi l'éclairer sur des moments de non-compréhension vécus pendant l'observation. De la même façon, au cours du séminaire, de nouvelles pensées surgissent de l'espace du groupe, qui devient alors une sorte de berceau dans lequel les bébés observés peuvent être pensés et portés par la rêverie groupale. Donc ces moments de surprise, ces moments d'émergence, de pensées nouvelles sont très importants. Du point de vue de la formation de l'observateur, ce qui est important, donc, ce n'est pas uniquement de voir comment se développe un bébé, mais c'est plutôt et surtout le fait d'apprendre à penser à partir de la communication primitive d'un bébé et d'apprendre à être sensible aux tout petits détails et signes corporels autour desquels la vie psychique et relationnelle du bébé va s'organiser. Dans l'observation du bébé, il y a aussi des moments où l'observateur devient une sorte de peintre qui non seulement décrit des scènes qui sont émotionnellement intenses, mais participe aussi à la transformation grâce à sa capacité de s'émouvoir. En effet, si on pense à l'étymologie de ce verbe, s'émouvoir du latin ex movere, nous pouvons constater qu'il décrit bien la position de l'observateur qui est caractérisée par le fait de pouvoir bouger d'un visage à l'autre, d'un lieu psychique à un autre, de pouvoir voyager avec une émotion à une autre, et en faire une première peinture dans sa rédaction écrite. Donc, l'observation n'est jamais quelque chose de statique, même si physiquement, peut-être, l'observateur ne bouge pas beaucoup. Psychiquement, l'observateur bouge tout le temps. Il est tout le temps en mouvement. À ce propos, je voudrais citer un court passage d'un bébé, de l'observation d'un bébé de 3 mois. C'est un bébé qui s'appelle Lina. Et l'observatrice l'a décrit comme ça dans une scène qui se passe à la salle de bain après le bain. Donc, on assiste à cette petite scène grâce à l'observatrice qui nous dit
Pendant que la maman lui parle, Lina la regarde, mais sans doute pas tout le temps. Son visage reste bien orienté dans la direction du visage de sa maman, qu'elle fixe pour un court moment. Par contre, elle est très attentive, presque immobile, tout ouïe à sa maman, comme je peux constater par l'immobilisation de son propre corps avec une densité d'écoute et vigilance et l'abandon des doigts en bouche. Lina ne regarde plus vraiment sa maman, comme si elle regardait au travers ou au-delà. Un mouvement de la maman me fait croire qu'elle cherche à se mettre au centre du regard de Lina. Les sourires de la maman, son ton de voix, me font penser qu'elle perçoit cette attention, cette présence de Lina à son regard. À ce moment, Lina sort sa langue comme si elle pouvait se prolonger et aller toucher sa maman. Elle émet des petits « et » me faisant penser à une réponse aux paroles de sa maman. Donc, c'est un petit extrait de l'observation de Lina à 3 mois. Et je pense que dans ce petit fragment d'observation, l'observatrice insiste sur le temps assez court pendant lequel le regard du bébé reste fixé sur le visage de la maman. Ainsi, nous pouvons remarquer une qualité qu'on pourrait définir pénétrante de ce regard, qui a été bien décrit dans les travaux de la psychanalyste française Geneviève Hague. Donc, nous pouvons remarquer également une qualité qu'on pourrait dire plus réflexive lorsque Lina est immobile, lorsqu'elle est dans une sorte d'attention. En effet, on peut dire que regarder signifie tout d'abord garder et faire attention, prendre garde. Dans l'échange de regards que nous pouvons imaginer entre la maman et le bébé, c'est comme si le bébé portait à l'intérieur le visage de sa maman, ensemble avec sa voix, avec ce que l'observatrice appelle la densité d'écoute, qui semble être une forme d'imprégnation qui touche tout son être psychique et corporel. Vous voyez qu'il s'agit vraiment de qualités qui sont impalpables, qu'on ne pourrait pas décrire si l'observatrice ne mettait pas au service de l'observation toute sa sensibilité et toutes ses émotions. Et en effet, l'observatrice souligne que c'est comme si le bébé regardait au travers ou au-delà, ce qui amène la maman à se mettre au centre de l'attention de Lina. Pour terminer cette belle séquence, Lina sort sa langue, donnant à l'observatrice l'impression qu'elle peut toucher sa maman et, pourrait-on ajouter, la prendre en elle. Cela semble confirmé par le son et en réponse aux paroles de la maman, comme si un dialogue s'était instauré entre les deux. Je pense que pour que le bébé puisse se représenter son propre visage, c'est essentiel qu'il ait intériorisé le visage de sa mère. Et dans l'observation, on peut voir déjà des petits moments dans lesquels le visage de la mère est tellement important. Donc, ce visage, dans sa qualité de cadre contenant, doit posséder suffisamment de mobilité et en même temps de stabilité pour permettre au bébé de se reconnaître tout en se sentant reconnu.
c'est la condition pour qu'un dialogue soit possible, qui transforme le visage de l'autre selon ce qui lui a été envoyé. Ça nous fait penser aussi à ce que disait Winnicott sur le visage en tant que premier miroir pour le bébé, le visage de la mère, bien sûr. Par contre, si le visage reste impassible, comme dans l'expérience que vous connaissez peut-être, l'expérience du still face, cette expérience dans laquelle on demande à une mère de rester avec un visage impassible. Donc, si le visage reste impassible ou s'il donne au bébé le sentiment qu'il va se décomposer sous l'impact de ses identifications projectives, le bébé se sentira soit dans l'impossibilité d'atteindre sa mère, soit avec une impression de violence des émotions qui risquerait d'abîmer sa mère. Dans les deux cas, le bébé peut se créer une sorte de ségrégation interne dans laquelle les parties du soi ressenties comme étant les plus précieuses, les plus vraies, sont dans l'impossibilité d'aller vers l'extérieur et de trouver une mère prête à les accueillir. Alors, toutes ces questions-là sont des questions très importantes, je pense, parce que j'ai souvent rencontré, et peut-être vous aussi, cette problématique chez des patients adultes avec lesquels le travail en face à face m'a semblé particulièrement utile. Donc, des patients qui n'ont pas suffisamment vécu cette expérience du premier miroir du visage de la mère. Je pense à une patiente, notamment, qui me parlait souvent de l'importance pour elle du visage et disait régulièrement avoir l'impression que le sien était tout gonflé, tout déformé. Elle se sentait obsédée par son visage, qu'elle évitait de regarder dans le miroir. Cette même patiente m'avait parlé longuement de l'impact que le visage de sa mère avait eu pour elle, du fait que l'émotion semblait toujours déborder de son visage, donc du visage de la mère, qui pouvait alors se décomposer sous l'impact d'une émotion. Elle avait l'impression, par contre, dans la relation analytique, que son propre visage était très statique, même lorsqu'elle vivait intérieurement des fortes émotions. C'est comme si elle pouvait congeler ses émotions. Elle affirma s'être sentie soutenue par mon visage, par le fait qu'il n'était pas impassible et qu'en même temps, il n'était pas débordé ou déformé par l'émotion. Une autre jeune femme que j'ai appelée Ariane, c'était une femme qu'on pourrait dire un peu inquiète de son identité. Et elle se plaignait souvent au cours de la relation analytique du fait qu'elle sentait son visage se transformer sous l'impact de l'émotion. Elle rougissait d'une façon assez particulière, avec des grandes taches rouges sur tout son visage qui me faisaient penser à des grosses gouttes de couleur qui aurait transpercé de l'intérieur. Cette patiente avait été confrontée à une mère dont l'état psychique et le comportement étaient complètement imprévisibles, avec l'irruption d'épisodes psychotiques
où elle devenait autre et elle n'était plus reconnaissable. Lorsque Ariane était enfant, elle avait développé une sensibilité particulière qui lui permettait, dans certaines limites, de prévoir, d'anticiper le changement de climat émotionnel sur le visage de la mère, exactement comme nous essayons de le faire en scrutant le ciel. Les nuages annoncent-ils la pluie? Ou bien quelques rayons de soleil parviendront-ils à les chasser? Le thermomètre émotionnel d'Ariane était devenu une sorte de système de contrôle très rigide, avec lequel elle essayait également de maîtriser ses propres émotions. Lorsque cela n'était plus possible, un débordement de la couleur émotionnelle devenait visible sur son visage. Ariane regardait très peu mon propre visage, probablement par crainte d'y voir le reflet de ses émotions ou d'être envahie par les miennes. Elle me lançait uniquement un coup d'œil furtif au début et à la fin de la séance, comme si elle voulait voir mon visage avant et après la séance, peut-être pour s'assurer qu'il était toujours le même et que l'impact avec ses contenus psychiques ne l'avait pas détérioré ou déformé. Je vais boire. Je vais maintenant, après cette longue introduction sur la méthode d'observation du bébé et son utilité dans la formation, je vais maintenant aborder un autre chapitre qui est celui des parties bébé chez le patient adulte. En effet, il m'arrive parfois, en rencontrant un patient adulte, de me demander « Quel bébé y a-t-il en lui ?» Cette question ne signifie pas tellement que j'essaye de donner un visage de bébé à l'homme ou à la femme qui sont avec moi, mais signifie plutôt que je suis particulièrement à l'écoute de régions du fonctionnement psychique dans lequel se trouve ce que j'ai appelé les parties bébés de l'adulte. Ces régions touchent également les limites entre le corporel et le psychique. Le corporel n'étant pas uniquement ce qui s'exprime au niveau du corps, mais toute la zone dont le fonctionnement s'enracine dans les premiers niveaux du développement psychocorporel. Donc, je pense aussi principalement aux premières formes de symbolisation qui sont étroitement enracinées dans le corps et surtout au corps en tant que premier espace et en tant que premier objet pour le bébé, lui permettant de se donner une première représentation des événements psychiques. Et ça, c'est quelque chose auquel, naturellement, l'observation du bébé nous rend très sensibles, parce que ce que le bébé nous montre, il nous le montre principalement à travers le corps, mais à travers sa communication corporelle, il nous permettra aussi d'avancer des hypothèses sur son développement psychique et sur ses capacités de symbolisation. Donc, lorsque je parle de partie bébé chez l'adulte, je fais référence à des aspects de la personnalité qui ont gardé un mode de fonctionnement primitif étroitement lié
aux expériences vécues dans la plus petite enfance. Naturellement, un adulte ne peut pas avoir un souvenir conscient des expériences qui ont laissé en lui des traces à un niveau très archaïque. Toutefois, je pense que si l'analyste a pu suffisamment approfondir la signification des expériences primitives d'un bébé, et naturellement l'observation du bébé est un moyen excellent pour cela, il est possible alors de développer une sensibilité et une écoute de ces parties bébés du patient adulte. Souvent, nous pouvons découvrir chez le patient des aspects de la personnalité qui essayent de se développer et qui se trouvent à un état embryonnaire. Pour reprendre une expression qui est chère à Bion, il serait comme des pensées en attente d'un penseur, ou pourrait-on dire aussi comme des bébés en attente de pouvoir naître et se développer. Dans ces cas, la relation analytique est investie d'un état d'attente particulier en tant que seule possibilité qui pourrait permettre à ces patients de trouver un contenant pensant et vivant. Je voudrais à ce propos citer le rêve d'une patiente que j'ai appelée Sylvie, qui était donc une femme avec des fortes tendances dépressives et des problèmes de dépendance de l'alcool. Sylvie avait décidé de se faire hospitaliser pour une période de désintoxication, même si cette idée l'angoissait beaucoup. À la séance avant son départ, elle avait raconté un rêve qui, malgré la grande détresse actuelle, me semblait amener une sorte d'espoir, comme si un rayon de soleil cherchait à percer les nuages. Elle m'avait d'abord parlé du fait que son compagnon lui avait offert, dans la réalité, un couple d'oiseaux qu'elle laissait libre de voler dans la maison et qui, à son dire, rentraient dans leur cage uniquement pour se reposer la nuit. Ces oiseaux avaient eu des petits, toujours dans la réalité. Et elle se sentait très touchée par leur arrivée. Dans son rêve, Sylvie découvre que la maman oiseau, qui a un plumage très coloré, avec des tons qui vont du rouge au jaune ocre à l'orange foncé, elle découvre donc qu'elle a eu 4 ou 5 petits. Ils ont le même plumage que leur maman, et ils sont aussi beaux qu'elle. Sylvie, dans le rêve, était assise sur un canapé et la maman oiseau venait déposer ses petits sur sa poitrine, un peu comme si elle lui confiait avant son départ. Le rêve donc se terminait comme ça, et ce rêve m'avait fait penser à la naissance de parties précieuses dans le psychisme de la patiente, grâce à la relation analytique qui pouvait l'aider à donner naissance au bébé oiseau dont elle ne pouvait pas, pour le moment, s'occuper. Elle devait les confier à une mère substitutive, représentée dans le rêve par la patiente. Par la patiente elle-même, qui pouvait donc introjecter les bons aspects de notre relation. En même temps, j'avais l'impression qu'elle me demandait de prendre soin de ses parties bébés d'elle-même pendant son absence. Sylvie était très émue après ce rêve.
Elle pleurait doucement, comme on aurait pu l'imaginer pour une mère qui doit quitter son bébé peu de temps après la naissance. L'image du rêve de la patiente avec ses petits oiseaux m'avait fait penser à certaines peintures dont on voit l'image de Madone avec l'oiseau. Donc, des peintures qui apparaissent dans la peinture de la Renaissance italienne. On pourrait se demander qu'est-ce qu'elles représentent ces images de Madone à la beauté discrète qui, d'un sourire énigmatique, accueille ses oiseaux auprès d'elle. Pourrait-on comprendre la présence de ces oiseaux en tant que représentation de partie bébé, en tant qu'objet beau et fragile, qui possède la légèreté et l'élégance d'un oiseau qui vole. Tout cela fait également penser à la beauté et à la fragilité des processus de développement qui, lorsqu'ils restent enfermés comme des oiseaux dans une cage, ne peuvent pas se développer. Et dès qu'ils peuvent profiter de la liberté, ils commencent à voler et avoir des relations fécondes. Voilà, donc tout ça, c'est un peu un aperçu qu'on peut avoir du travail sur les parties bébés chez le patient. Et dans la suite de cette réflexion, je voudrais maintenant développer un autre aspect qui est l'observation dans la situation analytique. En effet, je pense qu'on pourrait prendre l'image du bébé au sein comme une métaphore de la situation analytique, non seulement dans le sens de rêverie maternelle qui a été développée par Bion, mais aussi dans le sens d'une rythmicité commune entre analyste et analysant à l'intérieur de la séance. En effet, si on pense à la situation analytique, les deux membres du couple analytique se rencontrent, se mettent en mouvement d'une façon synchronique. Les mouvements sont presque toujours les mêmes, avec quelques petites variations en fonction des émotions du moment. Ensuite, chacun s'installe à sa place. Le plus souvent, l'un parle, l'autre écoute. Il peut y avoir aussi des moments de silence, parfois des bruits corporels, par exemple des gargouillements du ventre, venant de l'un ou de l'autre membre de la dyade. À cela, il faudrait ajouter d'autres éléments sensoriels, par exemple la lumière du jour ou d'une lampe, un bruit provenant de l'extérieur ou de l'intérieur de la maison lorsque l'analyste travaille dans une maison, parfois un parfum ou une odeur corporelle. Il y a donc un climat particulier qui s'instaure entre analyste et analysant, dans lequel les éléments sensoriels, émotionnels, verbaux et non-verbaux contribuent à l'installation d'un dialogue au-delà des mots qui sont prononcés ou qui ne sont pas prononcés. Je crois que l'art analytique dépend aussi en partie de la capacité qu'acquiert l'analyste de s'installer d'une façon suffisamment harmonieuse dans un rythme qui convient à chaque analysant. Il se crée ainsi une sorte de musique
dans laquelle chacun partage un temps, un espace, un instrument, tout en sachant écouter l'autre et en même temps s'écouter lui-même. Ce que l'analyste a à apprendre de l'observation du bébé, c'est aussi le fait que, tout comme une mère s'adapte au bébé, l'analyste s'adapte à chaque patient, trouvant un langage, une tonalité affective, une intonation de la voix ou certains gestes et attitudes corporelles qui peuvent varier selon le patient en une sorte d'adaptation émotionnelle. Il faut un certain temps, comme nous savons, pour les parents, pour accueillir le bébé, lui faire une place, trouver un rythme commun avec lui, tout comme il faut un certain temps pour que l'analyste et l'analysant trouvent leur rythme commun. Accueillir un patient dans notre espace intime signifie aussi lui laisser utiliser nos objets, les objets concrets de notre cabinet en tant qu'objets qui font partie du cadre et qui nous représentent. Cela signifie également nous laisser utiliser nous en tant qu'objet, parfois même en tant que premier objet subjectif qui fait vivre au patient un état intermédiaire entre subjectivité et altérité. Dans la relation analytique, certains patients semblent découvrir le temps après une utilisation massive de l'identification projective qui tend à effacer la séparation et les limites imposées par le cadre analytique. Et c'est souvent dans la rythmicité du temps d'attente et des retrouvailles, qu'une notion de temps interne commence à être expérimentée. Et je voudrais, à ce propos, évoquer certains rêves de patients adultes qui me sont apparus comme des signes de l'intériorisation d'un rythme commun et l'installation d'un temps interne. Ces rêves surviennent parfois après un certain temps de travail psychanalytique, lorsque la rythmicité est suffisamment installée à l'intérieur de l'espace psychique. Mais ils peuvent également se manifester au début de la relation analytique, lorsque la recherche d'un temps et d'un rythme commun est particulièrement important. Donc, à ce propos, je voudrais vous parler d'un rêve qui m'avait frappé, qui fait penser justement à cette question de l'intériorisation et de recherche d'un rythme. Et j'ai choisi à titre d'exemple le rêve d'une patiente que j'appellerai Stéphanie, avec laquelle la création d'un rythme commun avait été plutôt difficile. J'avais dû, pendant les premiers mois de la relation analytique, lui proposer un horaire provisoire en raison de l'urgence de sa demande et de la détresse qu'elle exprimait. Stéphane avait eu quelques difficultés à s'adapter au cadre. Il lui arrivait d'oublier ses rendez-vous ou d'arriver avec beaucoup de retard. Ce n'est qu'après un certain temps, lorsque notre rythme de travail et le cadre avaient pu se stabiliser, que Stéphane commença à amener des rêves dans lesquels elle exprimait des angoisses liées à cette difficulté d'accordage,
qui fait penser à certaines difficultés que peuvent avoir les parents au début de la relation avec un bébé. Vous êtes tous au courant du fait que parfois, avant que les parents puissent avoir un rythme commun et que le bébé puisse avoir un rythme commun avec les parents, il faut vraiment tout un temps de recherche, on pourrait dire. Et ici, dans un de ses rêves, Stéphane faisait de la plongée au fond de la mer, dans des eaux qui étaient des eaux assez claires. Elle rencontrait des gros poissons et ensuite, dans une sorte de couloir très profond, beaucoup de gens dont le visage était très effrayé et qui ne faisaient pas vraiment attention à elle, comme s'ils ne la voyaient pas. Elle était obligée, vu le nombre de personnes qu'elle croisait, de se mettre sur le côté pour éviter de se faire piétiner par la foule. Les associations de Stéphanie suite à ce rêve l'avaient amenée à me parler du fait qu'elle avait aimé, pendant une période de sa vie, faire de la plongée dans des mers où l'eau était particulièrement claire et lumineuse. Elle était fascinée par la vie sous-marine, mais en même temps, elle essayait d'éviter les mers dont les eaux étaient trop sombres, tout comme elle évitait des eaux trop profondes. Elle avait fait ensuite un lien entre la montée de ses angoisses et l'impossibilité pour elle de plonger encore dans la mer. La dernière fois qu'elle avait pu le faire, Stéphanie avait eu très peur, car juste avant de s'immerger, avait-elle dit, elle avait perdu le rythme. Elle n'avait pas pu respirer au bon moment et s'était ensuite sentie submergée par les vagues avec une impression de suffocation. La foule des gens très effrayés et qui ne la voyaient pas avait été associée par Stéphanie aux patients qu'elle pouvait parfois croiser chez moi au moment de son arrivée ou de son départ. Nous avions interprété ce rêve comme une représentation de la plongée dans mes os, dans mon corps et dans mon esprit, qu'elle voyait comme une mer peuplée de vie, de présence, mais aussi de danger, représentée surtout pour elle par la foule de patients en tant que bébé rivaux, qui pouvaient occuper mon esprit et la mettre à l'écart. Stéphanie avait associé les profondeurs de la mer avec les couloirs qui s'y trouvaient aux profondeurs de son psychisme avec ses dangers, y compris, avais-je ajouté, le danger d'une relation transférentielle dans laquelle je pouvais devenir une mère primitive et suffocante par rapport à sa vie psychique naissante. En effet, le canal étroit pouvait faire penser à la sortie de l'utérus. Stéphanie avait pu ensuite faire le lien entre la peur de perdre le rythme et ses difficultés dans la vie de tous les jours à trouver des repères temporels et aussi ses oublis très fréquents, y compris parfois des séances. Elle avait ensuite parlé de son vécu par rapport à sa mère, qu'elle disait avoir été trop rapide, ne lui laissant pas le temps et prenant souvent des décisions à sa place, la mettant ainsi devant le fait accompli. Elle avait évoqué des sentiments de rage et d'impuissance vécu à ce moment-là avec une impression de non-existence qui l'avait amené, d'une part,
à se coller davantage à sa mère et d'autre part à enfermer ses parties bébés dans des sortes de limbes situées dans des eaux si profondes et si sombres que ces parties n'avaient jamais pu remonter à la surface. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je voulais encore développer un aspect qui est celui des rêves. Será que não seria conveniente a gente deixar porque nós temos meia hora. Será que não seria conveniente a gente deixar um espaço para o público fazer algumas perguntas? Qu'est-ce que vous souhaitez que je... Là, j'ai encore trois pages. Vous voulez que je termine avant? Dites-moi. É que se ela vai ler as três páginas, nós não vamos poder ter perguntas do público. Né? Como nós temos público bastante grande, quem sabe a gente dá espaço para o público e ela vai poder retomar esses temas, né? Se ela estiver de acordo. D'accord, mais alors je peux simplement lire la page de conclusion. Ok. Ok, merci. D'accord. Donc, donc je laisse ce chapitre sur les rêves des femmes enceintes et je passe aux conclusions. Je pense que nous pouvons dire qu'une analyse représente aussi, en quelque sorte, une situation d'observation, mais une observation de type particulier dans lequel l'espace psychique de l'analyste, avec les résonances qu'il contient, est révélateur de ce que le patient est en train de vivre dans son monde interne. Lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adultes avec des troubles de la pensée, l'analyste doit accomplir un passage des éléments proto-mentaux avec leur lien intime avec les éléments corporels aux éléments qui sont utilisables pour la pensée. Ce travail, je pense qu'il implique une certaine dose de douleur psychique pour le patient, mais aussi pour l'analyste qui, tout comme le patient, peut se trouver parfois dans l'incapacité momentanée d'accomplir son travail de transformation psychique. Cela est dû le plus souvent à l'intensité et à la violence des identifications projectives qui sont évacuées par le patient dans l'analyste. Et cette opération peut avoir comme effet une impossibilité de penser et d'accomplir le travail de transformation nécessaire pour la continuation du travail analytique. Je pense que dans cette optique, l'observation, telle que nous la concevons, devient un instrument précieux pour apprendre à écouter le patient et ensuite à essayer de donner un sens à sa communication. Alors, lorsque cette attitude d'observation est utilisée dans la relation analytique, elle peut devenir la source d'une nouvelle approche au niveau primitif de la pensée qui s'exprime à travers la corporalité, à travers l'action, mais aussi, comme on l'a vu, à un niveau plus élaboré, à travers certains rêves. En effet, les rêves représentent un matériel précieux que nous pouvons apprendre à écouter comme une sorte de mémoire du corps et des premiers mouvements psychiques. Dans cet esprit, je pense qu'il est possible, au cours d'une analyse, d'avancer des hypothèses qui n'ont pas une valeur de reconstruction historique de la petite enfance du patient,
mais qui ont plutôt la valeur de permettre un travail de liaison, d'intégration à l'intérieur du psychisme avec des émotions primitives. Souvent, donc, cela est possible grâce à des mises en image, des métaphores qui peuvent naître en nous grâce à l'expérience d'observation des bébés. Et donc, il est intéressant de voir quel type d'association le patient peut amener après une reconstruction qui touche ses parties bébés. Et lorsque le patient peut utiliser la pensée onirique, il est intéressant d'écouter certains rêves comme une sorte de mémoire des premiers vécus psychiques et corporels. Donc, mon hypothèse est également que certains rêves représentent des tentatives de penser et de résoudre des questions très importantes qui n'ont pas pu être élaborées pendant la petite enfance et qui vont remonter à la surface suite à l'impact émotionnel vécu dans la relation transférentielle. Voilà, je termine là pour que nous puissions avoir suffisamment de temps pour notre échange. Eu quero agradecer à doutora Rosella essa conferência com tantas cores compartilhadas que ela possibilitou, né, que da compreensão da observação dos bebês como uma pintura feita a múltiplas mãos, né, e que pode ser refletida depois na relação analítica e que esse aprendizado, essa vivência da observação de bebês pode trazer para compreender essa paleta de cores que surge na ligação da mente humana. Eu vou repetir os nossos combinados iniciais. Primeiro, eu quero lembrar vocês que nós temos bem à direita, embaixo, um globo, né, que tem os dois idiomas, português e francês, né? Se vocês puderem mantê-lo em português, né, vão ouvir toda a conversa em português traduzida pela Vanise. Né? Se quiserem mantê-lo em francês, vão ouvir a Rosella falando diretamente com as pessoas que falarem em francês. Eu sugiro que usemos o português para ficar mais fácil a dinâmica, já que somos muitos e nem todos estão acostumados com essa técnica, né? Também sugiro que a gente não fique mudando de português para francês, porque isso pode fazer com que alguns se percam, né? Agora vamos abrir para perguntas. As perguntas vão ser feitas ali no item participantes, embaixo, à direita tem uma mãozinha azul, que é o levantar a mão, né? Raise hand, e nesse levantar a mão vai entrar em ordem o número de pessoas que quer fazer perguntas. Nós vamos dar acesso a duas pessoas de cada vez e, dependendo do número de pessoas, a gente vai fazer um bloco para a Rosella poder responder todas as perguntas possíveis. Tá? Então, quem quiser conversar com a Rosella, fazer perguntas ou comentários, eles vão ter que ser limitados a 2 minutos. Doutora Anete Blaia Luz e a doutora Maria Lucrécia Zavascki. Tu tem que ativar teu som, Anete, já está? Tá. Muito obrigada pela conferência, eu vou ser bem breve. E talvez a minha pergunta possa permitir alguns outros debates. Eu fiz observação de bebês na SPPA, acho que foi da primeira turma da SPPA, acho que a Nara lembra, né, Nara? E uma das coisas que a gente tinha que fazer era cuidar para não interferir muito, né? Para não interferir nada.
Isso é importante para o treinamento de um candidato, né? Assistir situações, às vezes, muito angustiantes entre a mãe e seu bebê, quando, né, o colorido está meio cinza. Isso é muito, é um treino importante para a gente poder usar na análise de pacientes, como treino para neutralidade, para abstinência? É uma pergunta. Obrigado, Anete. Lucrécia? Tu tem que abrir teu microfone, Lucrécia. Ok, muito obrigada. Eu estou encantada com as apresentações, quero agradecer muito a toda a Comissão da Infância e Adolescência por ter organizado este encontro, quero agradecer ao Calixto e sua diretoria por ter promovido esse encontro, e gostaria de fazer uma pergunta que, e agradecer muito à Rosela por trazer essas observações tão interessantes das diferentes culturas. E gostaria de fazer uma pergunta para todos os experts em psicanálise aqui da infância e adolescência, sobretudo observação de bebês, que ontem eu ouvi uma afirmativa da Viviane Sprintz que ficou reverberando e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela disse o seguinte, que os fanatismos têm complexidade de origens, mas uma delas poderia, talvez, não sei se eu entendi bem, observar os bebês, a criação dos bebês, e que poderia estar relacionada com a incapacidade de tolerância à frustração. Então, até que ponto, exatamente neste momento, nessa origem, nesse primeiro, segundo ano de vida, como é que o analista vê esta possibilidade de auxiliar a criança, se for possível, essa inter-relação da mãe com o bebê, na questão da tolerância à frustração? Porque isso que se saiba é algo que, vamos dizer assim, é inato, né? A capacidade ou não, mas isso é modelado, talvez, durante o desenvolvimento. Isso no sentido da prevenção. Só essa questão que eu queria levantar e agradeço profundamente essa oportunidade. Obrigado, Lucrécia. Enquanto a gente chama os outros dois, eu acho que a Rosiela pode responder para a Nete e para a Lucrécia. Os outros dois é uma pessoa que não está com o nome aqui, tem um número. E a próxima é a Hilda Botero. Oui, d'accord, merci, merci beaucoup. Donc, je réponds d'abord à la question de Annette. Voilà, donc Annette, vous dites, est-ce que l'observation du bébé, au fond, nous aide à avoir une position de neutralité? Moi-même, je ne m'exprimerai pas comme ça. Je ne pense pas que on puisse parler de neutralité. Je pense que d'ailleurs, dans ce que nous avons décrit comme étant le fondement de l'observation du bébé, il ne s'agit jamais de neutralité, mais il s'agit plutôt d'une position de non-intervention. Ça, c'est très différent, dans le sens que c'est un peu illusoire d'imaginer que l'observateur ou l'analyste soit dans une sorte de neutralité. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup parce que justement, l'observateur est toujours là avec sa subjectivité et avec toute l'intensité de ce qu'il peut ressentir pendant l'observation. Par contre, il ne faut pas confondre, je pense, la neutralité avec la non-intervention, dans le sens qu'effectivement, l'observateur sera le plus possible non-intervenant. Nous savons tous aussi, tous ceux qui ont fait l'observation du bébé savent aussi que cette position de non-intervention est très, très difficile et que d'autant plus à des moments où l'observateur sera touché
émotionnellement, d'autant plus à ce moment-là, il aura une tendance à intervenir. Il s'agit de petites interventions, naturellement. Il ne s'agit pas de venir faire des choses extraordinaires, mais souvent, à des moments où l'observateur est débordé, en quelque sorte, par son émotion, il sera beaucoup plus intervenant. Donc, personnellement, je ne parle jamais de neutralité de l'observateur, mais je préfère plutôt parler d'une position le plus possible non intervenante. Voilà, ça c'est pour la première question. Ah oui, vous parlez aussi d'abstinence. Oui, en effet, cette position d'abstinence analytique nous fait penser aussi à cette non-intervention dans la situation d'observation. Mais la neutralité, quand il s'agit de relations humaines, je crois vraiment qu'elle n'est pas possible. On est toujours impliqué, et donc c'est un peu une illusion, celle de pouvoir être complètement neutre. Ça, c'est ma position, ça, c'est mon avis. Alors, la deuxième question, elle est moins claire pour moi. Donc, si j'ai bien compris, vous me demandez comment l'observateur peut comprendre la difficulté du bébé par rapport à la frustration et par rapport à la souffrance, si j'ai bien compris. Moi, je pense que l'observateur a un rôle fondamental parce que bien qu'il soit non intervenant, comme je le disais, il parvient quand même à recevoir par sa position d'observateur, il parvient à recevoir la souffrance psychique du bébé et des parents aussi, parce que n'oublions pas que les parents ont aussi beaucoup de souffrance quand il s'agit d'un bébé. Et donc, cette position de l'observateur permet d'avoir une fonction de métabolisation qui est vraiment très, très, très importante. Et ce que nous avons pu remarquer, c'est aussi que dans des situations qui peuvent vraiment être des situations de grande souffrance, nous avons remarqué que la présence d'un observateur et tout le travail psychique d'un observateur vont beaucoup aider le bébé et les parents sans qu'il y ait une intervention directe. Ça, c'est toujours quelque chose d'assez surprenant parce que, d'une part, il y a tout le travail psychique de l'observateur et, d'autre part, il y a aussi tout le travail psychique qui est accompli par le groupe du séminaire. Donc, l'observateur, il ne faut pas oublier, il n'est jamais seul. Il est toujours là avec son groupe d'observation et avec le formateur qui est là aussi. Donc, c'est pas juste un travail d'observation, mais c'est vraiment un travail groupal aussi qui se fait et qui est un travail de transformation. J'espère que j'ai répondu à ces deux premières questions. Obrigado, Rosel. A colega que está com números, vou pedir que tu abra o microfone e te identifica, porque nós não temos como saber... Pronto. Isso. Então, desculpe, boa tarde. Está me ouvindo agora? Eu não consegui renomear, vou fazer isso para amanhã. Meu nome é Maria do Carmo Camarote, eu sou psicanalista aqui em Rio, né? Também fiz observação de bebês,
seminários de Madame Yagi, Geneviève Yagi. Enfim, eu adorei, estou muito contente de participar desse simpósio. Adorei ouvir a Rosélia, né? Agora, eu queria se ela pudesse desenvolver um pouco mais sobre esse curso que ela falou, não é? Da observação. Se ela pudesse desenvolver um pouquinho mais, ficaria contente. Développer un peu, quoi? Tu peux répéter, por favor, que a Rosana não te ouviu bem. Non, non, là, il manque une partie de traduction, donc... Ok, ok. Tu peux répéter? Ah... Tu estás nos ouvindo? Moi, j'ai bien entendu, mais je n'ai pas entendu ce qu'elle me demande de développer. É que ela talvez não esteja nos escutando. Tu estás nos escutando? Ah, então abre de novo teu microfone não, logo e não, agora sintetiza, por favor, tua pergunta, porque a Rosela não pôde ouvir. Mas vocês me escutaram? Estamos te ouvindo. José Carlos, você me ouviu a minha questão? Não estou ouvindo o Rosélia falar, não. Agora estou te ouvindo. Tu não está nos ouvindo? Olha, veja, vou repetir a questão. Veja, eu me apresentei, eu disse que eu sou Maria do Carmo Camarote, psicanalista de Recife. E eu gostei muito de estar podendo participar. Gostei bastante. E a questão que eu coloquei, eu gostaria que ela desenvolvesse mais um pouco sobre o quarto tempo, não é? Do que a observação. E eu até me apertei dizendo que eu fiz observações na França com Madame Yagi, Geneviève Yagi. Esse quarto tempo, para mim, é algo novo, mais novo. Observação. Obrigado, Maria do Carmo. Deu para entender, Rosela? Deu? Sim, sim. Sim, okay. Sim. Hilda, então, boa tarde, por favor, a tua pergunta. Se eu vou responder, mas não. Tá. Hilda, está nos escutando, Hilda? Ok, ok. A Hilda não está nos escutando. Ok. Hilda? Não. Quem sabe a Rosela responde. Vamos ver se a Hilda escuta depois. Ah, d'accord. D'accord. Eh bien, oui, bonjour, Madia. Bien contente de te rencontrer. Et oui, Geneviève Vague, c'est vraiment... quelqu'un avec Michel Hague qui a fait un travail tout à fait remarquable autour de l'observation du bébé. Moi-même, je me suis formée en partie avec eux aussi. Donc, voilà, je suis très contente qu'il y ait des collègues de Brésil qui ont pu avoir cette expérience avec Geneviève Hague en France. Eh bien, voilà, oui, effectivement, le quatrième temps, c'est quelque chose que j'ai moi-même conçu dans le sens qu'on... On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. On parle des trois temps, l'impact avec la situation d'observation, la rédaction écrite, le séminaire. Mais on ne parle pas beaucoup de ce quatrième temps que j'ai appelé l'après ou l'après-coup, si vous voulez. Et pourtant, je pense que de mon point de vue, c'est vraiment ce qui caractérise cette méthode d'observation, c'est-à-dire tout ce que l'observation laisse en nous en tant qu'observateur, en tant que formateur aussi, tout ce que l'observation laisse en nous dans ce processus de formation. Et je crois que en effet, l'observation du bébé ne se limite pas du tout
à ce qui se passe dans l'observation même, mais c'est vraiment dans l'après que nous pouvons évaluer, que nous pouvons comprendre tout ce que cette méthode a laissé en nous. Ça, c'est un peu mon expérience en tant que formatrice. Je le vois chez les personnes qui se sont formées. Je vois que même au niveau de leur projet professionnel, il y a toujours une transformation. Et c'est ça l'après. C'est cette transformation qui s'opère à l'intérieur du psychisme de l'observateur et qui permet finalement un regard différent sur, je pense, sa propre réalité psychique et sur la réalité psychique de ses patients. Je pense que c'est ça. Et ce n'est pas quelque chose qui s'opère au moment même de l'observation, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui mûrit à l'intérieur du psychisme de l'observateur. C'est pour ça que ça me paraît tellement important et tellement peut-être différent aussi par rapport à d'autres modalités d'observation. Si vous voulez, c'est un peu comme un processus analytique aussi. C'est aussi dans l'après-coup qu'on peut vraiment ressentir, mesurer presque toute l'importance de la transformation. C'est un processus de transformation. Pour moi, c'est ça l'observation. C'est le véritable impact de l'observation, c'est grâce à cette transformation psychique. Obrigado, Rosella. Vamos deixar a Tatiana Valverde entrar na tela também e vamos ouvir. Alice, está nos escutando, Alice? Sim, tu está com o nome de Hilda Botero. Isso criou uma certa confusão. Mas, por favor, Alicia. Sí, bueno, yo también me sumo a las felicitaciones, excelente presentación, gracias Sara por el trabajo. Y mi cuestión es la siguiente, ¿cómo la experiencia de observación de bebés nos ayuda en este momento que tenemos que trabajar en el psicoanálisis a distancia? ¿Qué factores que nos desenvolvemos en la observación de bebés nos pueden ser útiles hoy que tenemos que trabajar a través de la tecnología? Y, a Tatiana, entonces, por favor. ¿Pueden me oír? Sí. Sí. Muito bem, boa tarde. Eu queria rapidamente só me apresentar. Eu sou Tatiana Valverde, sou psiquiatra da infância e adolescência, fiz a minha formação em Porto Alegre e, portanto, os meus vínculos me trazem a esse simpósio. Hoje sou professora de psiquiatria e estou no Canadá. Gostaria, então, também de agradecer pela gentileza, generosidade de termos essa possibilidade virtual, alcançando, né, as pessoas nos locais mais distantes também. A minha pergunta para a Rosella seria como está a observação de bebês na quarentena, né, na pandemia? Houve alguma, imagino que pausa em muitos processos, mas também agora com algumas reaberturas, se houve alguma adaptação, enfim, se ela tem alguma notícia sobre como está essa observação agora, nesse momento. Obrigada. Rosella? Oui, eh bien, merci beaucoup. Je pense que la première question, c'est Alicia. Il y avait peut-être une confusion de nom, je ne sais plus.
Ben voilà. Oui, donc la première question concerne les apports de l'observation à la psychanalyse en ce moment où nous sommes obligés à avoir des séances à distance. Je pense que c'est une question sur laquelle on devrait vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir parce que les derniers temps, effectivement, nous avons été tous amenés, obligés à transformer notre façon de travailler et quand cela est possible, à travailler à distance par les moyens technologiques que nous avons à disposition. Je pense aussi que ça n'a pas été possible pour tous les patients. En tout cas, c'est un peu mon cas. Certains patients ont pu continuer les séances sous cette forme. Il y en a aussi que pour des raisons différentes, entre autres parfois le manque de moyens techniques, parfois le manque aussi de conditions suffisamment bonnes d'isolement dans la maison pour pouvoir avoir une séance de ce type. Donc, il y a aussi des situations dans lesquelles les patients, malheureusement, n'ont pas pu continuer à bénéficier des séances. Il y a aussi tout le travail avec les enfants qui n'a pas pu continuer sous la même forme. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment très difficile. Donc, effectivement, c'est une question qui a tout son sens. Qu'est-ce que l'observation peut nous apprendre dans cette situation de travail à distance avec nos patients? Moi, je pense, en tout cas là, je peux vous livrer ma situation, mes réflexions personnelles. Moi, je pense que l'observation peut nous apporter un arrière-plan de pensée et d'expérience qui est très importante, même lorsqu'il s'agit de situations de séances à distance. Et donc, ce que j'ai pu personnellement toujours remarquer avec les patients qui ont continué les séances sous cette forme, c'est que, par exemple, le travail onirique, le travail de rêve, a eu quand même un impact, un développement très intéressant, même pendant ces situations de distance. Et que la plupart des patients ont pu continuer à faire un travail de rêve, un travail onirique très, très, très intéressant. Et donc, nous avons pu nous appuyer sur les bases qui étaient déjà créées, qui étaient déjà établies entre nous pour pouvoir poursuivre dans ce travail, parfois même, je dirais, c'était assez surprenant, avec un peu moins d'inhibition, avec parfois une plus grande facilité à amener d'une façon directe des éléments de leur évolution psychique. Et à amener très directement des rêves, comme s'il y avait d'autant plus ce besoin de rester dans une rêverie commune. Ça, c'est mon expérience personnelle. Ça serait intéressant vraiment de pouvoir partager cette expérience avec d'autres collègues, voir comment eux, ils ont vécu justement cette période et qu'est-ce que l'observation du bébé a pu leur apporter.
Je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait réfléchir. Il y a aussi le fait de se voir d'une manière différente, donc de voir le visage, mais un peu décalé quand même, mais de voir le visage de l'autre avec une très grande proximité finalement. Je pense que c'est aussi un élément important si on pense à toute cette question du visage que j'avais essayé de développer dans ma communication, l'importance de pouvoir étayer, pouvoir s'appuyer sur le visage de l'autre. Je pense que ça a peut-être compensé l'éloignement physique. C'est aussi un élément intéressant de réflexion. Quel impact ça a pu avoir, le visage de l'autre, la présence du visage de l'autre. C'est une réflexion que j'aurais vraiment envie de partager avec tous, parce que je pense que tous, nous avons des expériences très intéressantes à partager. Donc, ces réponses ne vont pas fermer la question, au contraire, je pense qu'elles vont ouvrir beaucoup d'autres questions. Alors, Tatiana, je pense que c'est la deuxième question de Tatiana, qui est liée effectivement aussi à la première. Qu'est-ce que l'observation du bébé devient pendant des situations exceptionnelles comme cette situation de pandémie? Ce que je peux vous dire là aussi, c'est mon expérience personnelle. Ça serait intéressant de voir comment les autres collègues l'ont vécu. En ce qui me concerne, pour les séminaires que j'anime, par exemple, à Paris, donc des séminaires que j'ai dû continuer en ligne aussi. Donc, pour ce séminaire-là, les observateurs ont pu continuer l'observation du bébé tout en s'appuyant là aussi sur l'utilisation de Skype, par exemple. Et donc, ce que j'ai demandé aux observateurs, c'était d'essayer de garder un peu le même cadre, tout en ayant quand même une plus grande souplesse, dans le sens que rester une heure en ligne avec un bébé, c'est pas la même chose que de rester une heure en présence du bébé et des parents. Donc, si par exemple l'observateur sentait que c'était trop long pour le bébé, pour les parents, il ne devait pas nécessairement garder ce même temps qui est habituellement d'une heure. Mais disons que la méthode d'observation était, avec toutes les différences qu'il y a, était la même, dans le sens que l'observateur est là, l'observateur écrit son observation après la séance et après nous avons le séminaire ensemble. Mais naturellement, l'observateur est soumis à un effort et à une différence importante par rapport à la situation qu'il vit quand le bébé est là, quand il est physiquement présent. Et donc, au début, c'était un peu un sentiment d'étrangeté pour l'observateur et je crois pour le bébé aussi, certainement, et pour les parents aussi. Mais j'ai quand même vu que, soit dans des observations qui étaient déjà
presque vers la fin. Le bébé avait déjà une vingtaine de mois, soit dans une autre observation dans laquelle le bébé était encore tout petit. Et j'ai quand même vu qu'il y avait une force du lien entre l'observateur et la famille, entre l'observateur, les parents et le bébé, qui était vraiment très puissante et qui a fait que toutes les observations en cours ont pu être poursuivies. Malgré tous les changements, malgré le cadre qui était un peu différent, mais je crois qu'au-delà de tout ça, ce désir et ce lien qui s'était créé a quand même permis la poursuite de cette expérience d'observation. Et le séminaire a pu continuer aussi sous la même forme, avec une certaine souffrance aussi, on pourrait dire, de la part des participants qui au début vivaient vraiment une grande frustration due au recours à ce type de moyens, mais qui après nous a quand même permis de continuer dans des conditions qui m'ont semblé suffisamment bonnes. Donc il n'y a pas eu d'arrêt de la situation d'observation. Nous avons pu continuer. Et je crois que le contenant avait été le contenant groupal avait été suffisamment intériorisé par le groupe et par l'observateur pour nous permettre de poursuivre dans les conditions différentes. Muito obrigado, Rosella. Nós já passamos 15 minutos do nosso horário, então nós vamos ter que encerrar. Eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela riqueza dos comentários. Realmente tem muitas questões que o diálogo seria interessante, mas o bom é que o simpósio continua amanhã. Então, muitas dessas coisas vão poder ser retomadas ao longo do dia de amanhã. Amanhã pela manhã, recomeçamos. Eu quero agradecer também a Vanise pela eficiente tradução, como sempre, e dizer que tem três pessoas que eu tenho que me desculpar, porque nós não vamos poder dar espaço para que elas façam as perguntas hoje, mas vão poder fazer amanhã, com certeza. Tá? Muito obrigado a todos e nos vemos amanhã pela manhã. Até logo. Merci à vous et vraiment, je vous imagine tous, même si je ne vous vois pas, et je suis vraiment très heureuse d'avoir cette occasion de rencontre. Merci beaucoup. Obrigada. Obrigada.